Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Clash Royale. J'étais tout simplement en live et il y avait Surgical Goblin, un mec qui a gagné deux fois la Coupe du Monde de Clash Royale, qui faisait du coup en live le défi 20 victoires. Et honnêtement, vous allez voir son level, ses placements, etc. Et honnêtement, c'est un mec qui joue le même deck, qui est un deck du coup de Lockbait. Vous allez apprendre tellement de choses, les placements sont parfaits. Et honnêtement, il y a des très belles actions, même pour ceux qui jouent pas le deck. Comme d'habitude, j'étais en live quand j'ai fait ça, donc c'est pour ça que des fois qu'il y avait des blancs, des fois je disais qu'il y a des prédictions. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, la chaîne est en description, je suis en live tous les jours. En ce moment, je travaille des super défis, je travaille des défis classiques, et aussi je fais des tournois avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je serai sûrement en live à l'heure où sort cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, à t'abonner à la chaîne YouTube, et puis c'était Vocto, bon visionnage. Il joue bien là. Ouh, ouh non, il a pas perdu là de ça. Oh, il a perdu là dessus. Non. Il a perdu là dessus, non. Pas sur ça. Il a perdu là dessus les gars. Non. Non. Mais après les gars, c'est pas grave, c'est pas cette game là. C'est la game d'après les gars. C'est pas cette game là les gars, c'est pas grave. Oh, il était en 12, non. Reprédiction les gars, votez rapidement. Prédiction maintenant tout de suite. Ok. Oh, c'est de la gagner. Todavía se puede, hein. Can still do it. Another Hawk. I know. I mean, Lockbait is probably not even the best deck to play this challenge, I'm not gonna lie. Ah ouais, là, le le placement il est comme ça. Ah ouais, en gros tu mets le placement là et ça active la sorte du roi là. Oh. Il a les pixels, ça me fait. I wouldn't say 100-0. I think I can definitely win it, but it's really annoying. Also, my cycle the whole game was kind of awkward. Daniel peut la win, il a pas le match à part là. Ok, but we can still do it, guys. We can still do it. We need to win 7 in a row. Moi, j'ai renvoyé mon fût là comme un débile. Il m'a vu, je n'avais rien envoyé, je pense. Okay, just gonna... En vrai, il est la double tour, hein, ça fait mal. Hein. Il prend même pas de dégâts, wesh. C'est insane. Oh, il gratte. Hein. Oh, sa princesse. Oh! Oh, sa princesse, elle a enlevé tellement d'HP, mec. C'est un truc de fou. Il joue bien, hein. Il a déjà cyclé son fût, frère. C'est qui? C'est Surgical Goblin. Deux fois champion du monde, les gars. C'est quelqu'un. Il va après, là, il a le match-up en soi, je trouve. Tu vas still this or no, 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 todavía no. Ando 13-2. I'm 13-2 right now. Il touche pas le mec, hein. Oh. Après là, il fait vraiment une bonne défense, hein, je trouve. Hein. Yo, what's up, Keith? How are you? Non, il peut pas faire grand chose, hein. En plus, il vient de poser sa princesse, compliqué. Ah, même, ah dommage, j'ai pas le temps de tirer. Bonne TDE là. C'est tellement bien joué ce qu'il vient de faire là. Là on dirait pas mais il a fait un bête de place. Hein. En gros il a fait en sorte que la bûche elle touche la meuf pour qu'ensuite il mette son feu au gobelin contre et comme ça il est retouché. De Kezo, ouais. Oula, par contre attention de pas prendre un gros push là. C'est pas le moment. Après, dommage. Bon en vrai il a une roquette de gagner là. Oh il a gagné là. Moi j'aurais déjà joué comme un débile là, j'aurais déjà envoyé ma roquette et tout. Après il a bien joué, là il a vraiment bien joué. Il a quel âge lui? Il doit avoir 17, 18 piges non? 17 ans, 17. Ah ça tape pas dommage. Elle a 21! Ah oh on dirait pas. Après il a une calvitie un peu mais... Il a 16 victoires les gars. Ah,
déjà été payé. Je vous refais la prédiction, les gars, pour revoter vite fait. Tac. Les gars, il win, les gars. Votez instant. Hein. Faut vraiment voter instant, 30 secondes. Il va faire les 20, ça va être chaud. Hein. Oh my god, Flying Machine, Chaosas. Ah, il sait qu'il a pas le match-up là, non? Ça va être compliqué là. Fiasco. En face, un deck horrible. Hein. Franchement, je peux mentir, les gars, en face. Oh là là, il joue Mamie et tout. Oh, franchement, ça va être dur. Hein. Waouh, ça va être chaud. Hein. Là, ça va être compliqué. Faites-en la prédiction. Il y a combien de votes là? Ah ouais, 54% oui. 46% non. Ah, il y en a qui connaissent le jeu quand même. Parce que là, c'est, là ça va être chaud là. Là, ça va être compliqué. Waouh, il a l'air de le saouler avec ça. Ah, il gratte bien, hein. Il a bien gratté là, mais waouh, c'est dur. Hein. Il envoie une bûche rien que pour ça, ouais. Ouais, c'est bien joué, il tape un autre gobelin, il tape la tour en même temps. C'est pas trop mal joué de sa part. Il met une princesse qui va tanker le gobelin. Vraiment, il veut vraiment limiter les dégâts. Hein. Ah, le deck en face, il est horrible. Hein. Franchement, il est horrible le deck en face. Je vous jure, le deck en face, c'est horrible. Hein. Oh, il fait vraiment des très bons placements. Hein. Je trouve. Non. Oh, il va prendre cher là. Oh, l'erreur de 2 secondes d'un placement, c'est chaud. Après, là, il peut le battre encore. En vrai, de vrai, là, il peut le battre. Hein. Ça va être tendu. Hein. Les nerfs sont tendus. Hein. Oh. Waouh, moi je sais que j'aurais déjà perdu là. Là je sais que j'aurais déjà perdu en vrai de vrai, je peux vous mentir. J'en suis sûr et certain. Je comprends pas trop pourquoi il envoie sa bûche là par contre. Là, ouais, je comprends pas trop ce qu'il fait, hein, mais il doit savoir ce qu'il fait. Hein. Il est bon au jeu. Hein. Ah, c'est chaud. En fait, il arrive pas à attaquer en fait. Il n'arrive pas à attaquer, donc c'est compliqué. Hein. Ah, il gratte, hein, mais il se fait gratter aussi. Hein, c'est chaud. Ah, ça va être tendu, là. Ça va être... Là, franchement, j'ai hâte de voir qui va gagner. Hein. Ah, peut-être... Il va défendre à gauche, quand même. Il envoie un fût comme ça. Ouh, c'est extrêmement bien joué. C'est extrêmement bien joué. Oh, le petit fût là comme ça, j'aurais pas pensé par contre. Oh, le petit fût comme ça, j'aurais pas pensé. Honnêtement, j'aurais pas pensé. C'est bien joué. Hein. Là, il a juste un pas troll en vrai. Là, en vrai de vrai, il troll pas, c'est good. Là, il a vraiment bien joué. Il a extrêmement bien joué. Le petit fût là, où il était beau. Le petit fût, les gens doivent dire GG. Hein. OMG, GG, OMG, Pog. Ah, ouais. Il a bien joué. Hein. Voilà, vamos. Franchement propre. Hein. Franchement GG. Hein. Franchement incroyable. Oh my god. Attends, je refais la prédiction, les gars. Il y a une petite prédiction de 30 secondes, votez instant. Ah, il a bien joué de baiser, wesh. Oh, the fuck, genre vraiment, c'est what. Parce que c'était tellement dur, il avait... En vrai, je sais pas s'il avait le match-up par contre. C'est moi, je connais pas trop encore les... S'il a... Des fois, je sais pas trop s'ils ont le match-up. Mais... Je regarde un truc. Il joue bien. Hein. Il l'avait pas, hein. Oh, il avait pas le match-up en plus. Ok, là il va défendre comment par contre là? Valkyrie peut-être? En vrai, pour l'instant, il a mis plus de dégâts, mais il a plus d'élixir. Il a plus d'élixir. Je sais pas s'il va tanker le coup de gargouille ou pas. Ah, dommage, un petit coup ça aurait pu être sympa.
Il va tanker, hein. Ah, mais qu'un coup en vrai. Non, il a pris tout le match avec. Okay. Là, ça va être chaud, hein. Does anyone know if this guy has Sparky? Or is it just like a Goblin Giant? Ok, allez, il peut gagner, en plus, il aura Giga Coffre. Ah, c'est bien joué ça, ça c'est bien joué, hein. Bien joué de fou. On va devrait là une bonne roquette pour faire mal, hein. Personne, la roquette aura peut-être tempo 2 secondes de plus. Mais bon. The bad thing is, like, it's a good thing and a bad thing that he has. Il a rien pour défendre le fût, donc là, en vrai, il a le match-up là, je trouve. Quand un mec peut pas défendre ton fût, c'est trop fort. Par contre, et après, il a le zap, mais. Oh le mauvais. Oh, après bon là il a loupé son zap et tout. Ouais. Waouh. Waouh. C'est bien joué ça. C'est très bien joué. En face, franchement en face, il a perdu. Ouais, moi je vais passer l'esprit de glace, les gars. Ah il joue à Fortnite lui. Mais il est bon à Fortnite aussi, hein. Ouais, il avait le match-up en soi. Il avait le match-up en soi parce que, bon, après le mec a le zap, mais bon, il le joue pas non plus très bien. Chill. Là, il faut rester focus. On peut toujours perdre. On a déjà vu des remontadas. Hein. Des remontadas de fou, les gars, on en a déjà vu. Hein. Imagine il perd là. Ah bah ouais c'est chaud hein. Là faudrait vraiment qu'il troll hein, pour perdre. Hein. Là faudrait vraiment qu'il troll de fou. En soi ouais, il a gagné. Bien joué. Propre. Il a gagné encore hein. Bien joué. Et what the fuck. Ah, il est bon hein. Voilà, new record hein. Nouveau record. En el desafio. Ah le petit coffre. New record in the challenge. On server. 12, wow, 4100 de gold. World cards. Ça va. Ok, bon, c'est une légendaire. Ouais, en vrai, ça va, c'est pas... Ouais, c'est pas mal. Ah, tu peux choisir. Ah, ouais. Bah, mini PK, ouais, logique. Sorcier, logique. Ah, ouais, c'est quoi ce coffre? Wesh, quoi? I mean, we have both Champions Max except for Skelly King. Let's just take the Skelly King, I guess. Ah. Right, let's go. Ouais, c'est des vrais coffres. Pas des lol. Hein. Pas des lol, le coffre. Attends, je vous fais la prédiction pour cette game-là, les gars, là. Il y a 30 secondes pour voter. Il a pas l'air d'avoir la bûche pour l'instant. I think it's still worth it. Ah bon, je crois. Encore avant. J'ai pas vu. Ouais bon, je regarderai. Au pire, occupez-moi et envoyez-moi ce que j'ai pas fait attention. J'ai pas fait gaffe. Bon, il est pas mal, là. Et le héros, en plus, il va prendre des dégâts. Ah, dommage. Et roquette, il décide de roquette comme ça. Bonne roquette, et en plus il mine. Ok, il était vraiment bien. En vrai de vrai, là.
Mais Molotov, c'est pas une application pour regarder la télé illégalement. En fait, il arrête de. En fait, il a. Enfin, il utilise même plus son fur. Il va quand même le mettre, peut-être son fuel, là, je sais pas, non, même pas. Ah, il le met vraiment sur le corner de fou. En fait, c'est qu'il a la bûche. En fait, quand il a la bûche, j'ai l'impression qu'il ne même plus. Ah ouais. Les placements sont. Le mec en face est bon. En vrai de vrai, le mec en face est pas mauvais. On va pas se mytho. Oula, attention là. Attention de pas prendre trop cher là-dessus quand même. C'est serré, hein. Les nerfs sont tendus. Ouais, il l'a bien vu. En gros, il met une bûche, il force pas. Vraiment, il force tellement pas. Moi, je force de fou, hein. Après, encore une fois, moi, je suis à Bello. Oh my god, bro, what is that? Wow. Ah, cette carte est trop forte, hein. Il s'est pris un... Il s'est trop fort, les gars. Du coup, les potes, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez à faire ce défi 20 victoires. Ou est-ce que c'est vraiment galère? Perso, je suis qu'à 6 victoires et je galère sa mère, c'est trop dur. Bref, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait plaisir. Et puis retrouve-moi sur Twitch maintenant tout de suite ou regarde mes anciennes vidéos, ça fait plaisir. C'était Cocteau, ciao!